Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle petite partie d'Evolve et nous sommes partis bon, personnalisation hein. Je ferais bien une petite chasse. Pour moi c'est ce qui est le moins intéressant sur Evolve parce qu'on passe son temps à courir après le monstre. Et je prendrais bien le. Ah, piège spectral, il me plaît bien. Donc on va faire une petite chasse hein. Donc, le principe c'est simple, on chasse le monstre, une fois que le monstre est au niveau 3, il attaque le gros le générateur, bref, c'est la folie. Donc le but c'est de tuer soit le monstre ou soit que le monstre nous tue ou détruise le générateur. Enfin c'est pas le générateur, vous verrez bien de toute façon. Donc on va passer son temps à se balader, malheureusement, dans une petite chasse, mais bon il en faut de temps en temps, ça fait plaisir. Ça permet de diversifier un peu la partie. Quand ça fonctionne bien c'est chouette à faire. Quand ça fonctionne moins bien, bah, évidemment c'est beaucoup moins chouette. Hein. Donc du coup toujours avec Markov. Toujours en assaut. Et puis après voilà. Peut-être en soutien. Ce qui me plaira c'est le soutien, j'avais déjà dit, mais faudrait que je teste en fait. Au fur et à mesure, il va falloir que j'ai des blocs. Celui qui me plaît le moins c'est le soin quoi. Le heal. Allez, tac. Markov. J'hésite toujours entre les armes se rechargent et la grande capacité en fait. Je sais pas ce qui est le plus intéressant. Après, il y a des sauts, il y a d'autres bonus que j'ai débloqués au fur et à mesure de sa classe. Enfin, je prends la grande batterie. Je prends souvent la grande batterie. Et nous avons un petit spectre magnifique, donc nous allons déployer l'équipe et tester ça. Plus vite on trouvera un spectre, plus vite on aura le dessus. le dessus. Hein. Voilà, maintenant s'il arrive au niveau 3, il n'y a plus qu'à prier, serrer les fesses et foncer dans le tas. Donc, apparemment, il y a un monstre qui devrait bientôt arriver, je sais pas trop quand. C'était ce qui était prévu. T'as toujours prévu de cuisiner ce soir. Il y a un monstre gratuit, on verra bien. Ouais, rien de tel qu'un barbecue pour oublier les goûts des rations en pâte synthétique. Il y a quelque chose qui te fait envie. Tout ce que je te demande, c'est de vérifier que la bestiole est morte cette fois. Quoi, t'as pas aimé ma grillade d'anguilles des gorges? J'aurais préféré qu'elle bouge plus. Ouais, c'était écœurant. J'ai pas demandé d'avis médical, à ce que je sache. Allez hop, on est parti. Allez Daisy, trouve-le. On n'est pas obligé de suivre Daisy, mais c'est vrai que elle arrive pas mal à se démerder. Elle trouve assez rapidement les traces. Donc si vous êtes perdu, suivez Daisy. Et ça ira plus vite. Voilà. Bon, c'est vrai que suivre Daisy pendant 10 plombes, c'est un peu chiant. Il y a des oiseaux dans le ciel. Il y a une piste d'atterrissage pas loin du bâtiment. Vous avez vu ? Il voulait pas atterrir trop près de ce truc. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. Enfin, pas pour ça. Alors, où est-ce que tu te caches? Ah, là, il y a les traces. La batterie du nu. Ah, bah, on va en faire une dernière et puis on verra bien. J'espère que ça va tenir au moins. Ce serait con quand même. Je vais la mettre à charger. Ouais, tenu longtemps quand même. Il est super. Tu cherches une proie? Tente ta chance avec moi. C'est bon, il est mort. Allez hop. Alors tuer des animaux comme ça sur la map apporte des bonus et débloque certaines petites choses. Hein. Beau travail d'équipe. Ah, salut ma biche. Déployez-vous. Albinos. Tu l'auras pas mon vieux. Pour nous ça. Alors par contre, où est-ce qu'il est passé? Le problème avec le spectre, c'est qu'il y a une espèce de mirage. Et hop, un boost. Et si tu suis le mirage, mais tu te retrouves comme un con. Je vois notre proie, mais elle ne nous voit pas, je crois. Je crois que j'ai vu passer par là, non? Parce que persuadé de l'avoir vu passer par là, non, je peux peut-être.
me planter, mais... Là. Il y a un albinos ici. Ouais, mais c'est pas grave. Faut surtout éviter qu'il passe. Jusqu'où peux-tu sauter, mec ? Putain, c'était... Ouais. Bon, bon, si c'est la bonne... Si c'est l'albinos, si on tue, il l'aura pas. C'est pas plus mal, en fait. C'est ça, l'albinos, ou pas ? Non, je sais pas. J'ai pas eu de bonus, donc je ne sais pas. Du coup, où est-ce qu'il est ? Il est où, Daisy ? Ah, il cherche. Il cherche ma belle. Ouais, vas-y. Je te suis. Elle part par là. Ok. Quelqu'un veut venir marcher sur cette plante ? J'ai envie de voir ce que ça fait. Ah, fuck. Pas étonnant qu'il ait grandi avec tout ce qu'il y a à manger dans les parages. Manger dans les parages. Un albinos. On l'attaque ? Maggie, comment t'as fait pour avoir un Brutus apprivoisé ? T'es jamais venu sur Shire avant ? Elle, je l'ai acheté sur la station Winter. Shire exporte une grande partie de sa personnage. Eh ben, elle vaut son pesant d'or, vu la façon dont elle regarde. C'est pas la première fois qu'on chasse des monstres. Utiliser ? Ouais, j'ai pas vu ce que c'était. Les oiseaux dans le ciel ! Ils font mon boulot à ma place. Gaffe à cette plante. Ah ah, vous voyez tout là-bas ? Ça faut le chasser par contre. La bête. Oh, en plein dans le mille. Et hop, un boost. Voilà. J'aime bien chasser les grosses bébêtes. Bon. Loup, ce putain de monstre là. J'élimine une bestiole. Ce sera pas long. Si franchement, si on arrive, s'il arrive au niveau 3 avant qu'on arrive à le choper et à le toucher au moins un minimum, ça va être galère. Hein. Ouais, 100 mètres, il doit être dans les environs là. Où est-ce qu'il est ? Le problème, c'est que le temps qu'il est. Ah! Non? Je viens de le voir passer, non? C'est moi ou. En plein dans le mille! La cible est vulnérable! Dans le mille! La technologie à la rescousse. Comment vous vous sentez ? Bon, elle est où ? Tu me le trouves ? C'est bien la cryptozoologie, pardon, m'apportera un peu de d'XP en plus. Ça me permettra de lancer. C'est quoi ça ? J'élimine une bestiole, ce sera pas long. Ah. Augmente les dégâts, ça c'est bien, c'est bien que je trouve le monstre. Belle, dis donc. Il a 35% de dégâts en plus. Donc c'est vraiment une partie en fait, la chasse. Soit vous avez de la chance de le trouver assez rapidement, soit vous faites chier à tourner en rond pendant 40 minutes jusqu'à ce qu'il arrive au niveau 3 et là, de toute façon... J'ai repéré créature rare. Je place une mine électrique.
Hop, un boost. J'attaque un albinos. Les bestioles du coin vous attrapent comme à rien. C'est quoi là? Vous voyez ces oiseaux pas... Le monstre est là-bas. Santé, je régénère. Ouais. De toute façon, je pense qu'il arrive au niveau 3. À la rescousse. Comment vous vous sentez? De toute façon, il me semble que le générateur est juste là, donc dans le pire des cas, il va retrouver son pote qui piégeait normalement à l'intérieur du truc. Pour ceux qui connaissent pas la map, c'est une map assez sympa. En fait, ils arrivent à choper un spectre qu'ils enferment dans le globe là-bas. Je sais pas, vous le verrez plus tard. Spectre, non ça, hein. Kraken? Spectre ou Kraken, bref. Bon bah apparemment, il a atteint niveau 3, hein. Voilà. Ah si, c'est un spectre. Donc ils ont réussi à enfermer un spectre. Donc le but maintenant, ça va être de te défendre. Cet endroit. Inactivé. C'est bizarre, je l'ai pas entendu passer niveau 3. Là. Là, voilà, ça me paraît bien ça. C'est bizarre parce que ouais je l'ai pas passé, il est passé niveau 3 ou pas? Parce que j'ai vu le sigle du générateur mais... Ah c'est du relais pas du générateur. Rampe. Rampe et meurt. Faites gaffe à cette plante. Non, apparemment, il n'est pas encore passé niveau 3, c'est étonnant ça. Voilà. Aïe, merde, c'est pas possible, il est où? Ok, voyons comment il est. Voilà, là c'est le top. Là je le tape, là ça fait du bien. Ah, je te tiens. Bouclier prêt. Il est où? Je prends le fusil de guérison. Le piège a fonctionné. C'est moi ou il perd pas de vie? Putain, c'est grave ça! Maintenant, on fait plus dans la dentelle! Arrêtez ce salopard tout de suite! Les gens sont prêts! Voyons comment il réagit à ça. Bouclier chargé à bloc! Et la feu! Les pièges sont prêts! Où est-ce qu'il est? Viens! Viens, ma biche! On va arriver. Putain, il est passé où? Ah, ça c'est chiant quand il se barre comme ça. Soit un homme, un vrai. Viens voir. Enfin, un homme ou une femme, ça dépend le sexe du monstre. Alors, t'avances ou pas? Bon, suis Daisy. Je le vois, à 500 mètres, c'est parti. En plein dans le mille. La cible est vulnérable. Ouvre grand la bouche. Putain, où est-ce qu'il est? Je tire sur le spectre. Impossible de le capturer de toute façon. Arène en place. Ah vas-y, bah, ah bon, quatre. Ça très très attendez bien. Un peu. Où est-ce que t'es? Fusil tranquillisant prêt. Je l'ai eu. Bouclier à 0%. J'ai un piège de près.
Et pourquoi il perd pas sa vie derrière il... Ah. Ok, voyons comment il réagit à ça. Mon bouclier est bientôt mort. Vite bouclier, c'est l'heure de tuer. Les boucliers sont presque prêts. Les gens sont prêts. Attendez, passons les chaînes du modernisme. Putain. Voilà, c'est ce qu'on attendait. J'ai un piège de près. Il est parti. Ah, le lâche. Ah, c'est pas mal, on grignote à chaque fois un petit à petit sa vie. Abattez-le. Et plus on pourchasse, moins il aura le temps de manger. C'était du bon boulot. Et leur générer. Laisse-moi te soigner. Spectre, Trapper, on se prépare. Éliminez-le maintenant, avant qu'il mange encore. Bon travail d'équipe. Je tape pas le bon, c'est ça? Putain, c'est ça. Je vais poser quelques pièges à fond. Évidemment. Ah, ça m'énerve, ça. Il est où? Bouclier chargé à bloc. Là. Ça, c'est le vrai. Piège au sol. C'est pas, toujours pas le bon. Putain, mais il est où? C'est pas possible. Ouais. Des oiseaux charognards. Le monstre y était aussi. Si ce genre de créature est habituel dans le coin, pas étonnant qu'il nous ait appelés. Oui. Cabot nous a recrutés. Il recrute les meilleurs chasseurs de la galaxie. Maintenant, on sait pourquoi. Piège en place, attirez-le par ici. Je sais pas où est Daisy par contre. Allez hop, là ça je mène de toute façon. Spectre, tu te bats comme un lâche. Je vais poser quelques pièges à harpon. Je vais poser mine. Prends le fusil de guérison. Mine électrique placée. Il a échappé belle, dis donc. Il est où? Viens ma biche, on va rire. De toute façon, t'es obligé de venir ici. Si tu veux gagner, il te reste 2 minutes pour défoncer le truc. J'espère juste qu'il a pas récupéré trop de vie. Non, ça va. Piège à harpon prêt. Il a déjà perdu en plus son bouclier. Dans le mur. J'ai raison. Je suis blessé. Merci, ma corde. C'est
Cooper remarche. Jusqu'où peux-tu sauter, Spectre? Pose ça et on attire le monstre dessus. Pourquoi ça lui fait aucun dégât quand je lui tire dessus? Oh. Te protège, Val. Maintenant, on fait plus dans la dentelle. J'ai posé quelques pièges à Arcon. Puis blessé. Daisy. Je pourrais vous soigner, si vous m'aidez. Ils sont tous... Venez, là. Vite, vous avez besoin de moi. Aidez-moi à me relever, vite. Allez, aidez-moi. Notre trappeur est mort. Il nous en faut un autre. Bouclier presque à court. Au revoir, bouclier. Il ne reste plus que Allez, merde, hein. Ah, oh, fait chier, ça m'énerve. Pourquoi ils meurent tous, maintenant? Ah, c'est galère. Avant, je disais pas ça, je comprends pas. Depuis, j'ai l'impression que j'ai vraiment passé un... Depuis que j'ai passé niveau 14-15, tous les PNJ que j'ai meurent dès qu'ils passent le niveau 3, quoi. Avant, ça se passait pas comme ça, avant, j'arrivais à... Je sais pas pourquoi ils meurent tous en un coup. Bon, bref. C'est pas grave. Corps perdu, hein. De toute façon, dans le jeu, on perd souvent, j'ai l'impression. Les gens... Bref. Ben voilà, parfait. Bon, ben j'espère que ça vous a quand même plu. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire. Et moi, je vais vous laisser ici. Allez, à plus tout le monde. Salut.